Hey, bonjour à tous et bienvenue sur du Feed the Patrick en compagnie d'épée pour l'épisode 7 ou 8, hein, je ne sais plus lequel. Bon, après multiples tentatives pour faire enfin fonctionner cette putain de carte son qui m'énerve à grand pas, je vais en racheter une, mais à partir du 17, puisque là, financièrement, c'est pas le top. Donc, pour ça, je vais... prochain achat, c'est une carte son, puisque celle-là, il est en train de merder, mais comme pas possible. J'essaye de capturer le son depuis 2 jours et demi environ. Là, seulement que j'y arrive enfin. Hein ? Avec les abeilles, tu as des... J'ai pas compris. Enfin bref, j'essaye de capturer ce putain de son de chaque fois, et à chaque fois c'était 20 à 30 minutes que je tournais, mais sans le son derrière. Le son n'était pas capturé, donc j'ai essayé sur le panel arrière, c'est encore pire. C'est qu'il y a un souffle, devant il n'y a pas de souffle. On va comprendre la logique, bon c'est pas grave, hein, c'est une carte de merde. Serve d'appât pour les poissons, pas encore. Ouais, j'ai pas encore les abeilles qui attirent les poissons. Du coup, aujourd'hui, nous allons attaquer simplement, efficacement aujourd'hui, l'ADN des abeilles. Je vais enfin pouvoir vous faire cet épisode, parce que vous l'attendiez depuis, aujourd'hui 17h, donc c'est mercredi. Je pense que vous l'auriez que pour demain, donc c'était pour hier, voilà. Voilà. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux abeilles avec les ADN. C'était quelque chose que pas mal de monde attendait. Moi, j'ai attendu... que Monsieur Rudix justement me dise comment faire, parce que c'est lui qui m'a appris au niveau de l'ADN. Ça se fait avec des drones, bah de tout. Enfin bref, du coup, on va en clair. L'ADN me sert principalement à, par exemple, là je vais faire que des impériales pour produire de la Royal Jelly. La Royal Jelly me sert à créer des empty sérums. Ces empty sérums me servent justement à extraire un gène d'ADN par drone. Principalement, il faut utiliser que des drones. Sur les abeilles, c'est très chiant à voir. La Royal Jelly, voilà, c'est ça. Et ça s'obtient qu'à partir des impériales. C'est pour ça que je vais produire beaucoup d'impériales, puisque j'en ai besoin. Alors, par la suite aussi, la Royal Jelly nous sert à arrêter cette pluie. À chaque détection de pluie sur le serveur, ça arrête la pluie directement. C'est plutôt cette base apparemment, j'en ai besoin. Voilà. Je ne sais plus. Tu me perturbes toi, c'est dingue. L'ADN, voilà. À partir d'une Rocky Princess et une Rocky Drone, je peux me faire des impériales. Ah mais. Bon, fais comme tu veux, là je tourne, j'ai pas envie. Voilà. Du coup, à partir d'une Rocky, je peux faire une impériale. L'impériale me sert à faire de la Royal Jelly. La Royal Jelly peut faire... Ah, mais tu me laisses faire mon épisode. Tu me laisses faire mon épisode. S'il te plaît, j'en ai marre, ça fait 3 jours que j'essaye de tourner, putain, ça me casse les couilles. Voilà. Merci. Est-ce que je peux le faire enfin? Voilà. Hop, comme ça je verrai plus le chat. À partir des rookies, je peux faire des impériales. Les impériales, il faut en avoir déjà une belle petite boucle de drone pour permettre justement de, à partir du génopole, d'extraire l'ADN qui nous servira justement à capturer ce gène et le rendre déjà dans des capsules. Notamment ces capsules là nous permettront après de pouvoir en extraire le gène de cette abeille et la rendre plus puissant, entre parenthèses hein, bien sûr. Alors au début il vous faut 6 machines. Il vous faut l'isolateur, le purifieur, le synthétiseur, le réplicateur, l'inoculateur et le génopole. Donc tous les crabes, vous les aurez dans Extra Bees et Forestry. Voilà. Bien sûr, il vous faut un four à côté, de préférence Redstone Furnace, c'est plus rapide. Pourquoi pas des hoppers si vous en avez le plaisir, vous verrez pourquoi.
Alors, au début, vous avez besoin d'ADN. Moi, j'ai un tank qui commence à le remplir d'ADN, puisque j'en aurai besoin. Également, il vous faut, au début, il vous faut l'isolateur. L'isolateur nous permet qu'à partir de drones, par exemple, là, c'est de l'ébony, je le mets ici, sur la gauche, ça va travailler, donc ça prend un certain temps et de l'énergie, naturellement. Ça prend pas d'ADN, celui-là, que de l'énergie. Et à partir, au niveau des sérums, donc c'est des capsules de gènes, ça va extraire un gène aléatoire de cette ébony. Je les ai déjà faites, mais je préfère le faire avec vous pour permettre justement d'avoir ce gène. Là, il nous sort que le gène... attendez, je vais pas le faire avec celui-là, puisque c'est pas celui que j'ai. Est-ce que j'ai une commande? Non, j'ai une... pas de commande. Non, c'est des rookies, donc c'est très bien. Du coup, les impériales. Tiens, ceux-là, je vais les garder, parce que j'en ai besoin. Ça, je vais les foutre là, comme ça, ils vont les travailler. On va chercher des drones, des drones de commande, puisque j'en ai besoin. Ici, je commençais à me faire une seconde base, parce qu'il va y avoir plein d'abeilles en automatique ici. Ça va être la grosse ferme complète qui va travailler. Vous voyez, il y a déjà des abeilles qui travaillent, là, c'est des princesses impériales et drones, parce que j'en ai besoin, notamment pour ça. Mais c'est aussi pour parce que j'ai besoin de Royal Jelly, donc je suis en train de les modifier toutes. Alors, hop, hop, je vais les faire travailler en automatique. Vous voyez, ça travaille directement. Alors, pourquoi ça n'a pas besoin de fleurs au sol, juste de la stone? Vous verrez pourquoi. Je vais même vous le dire maintenant. Pourquoi ça a besoin de stone et non de fleurs? Puisque j'ai fait à partir d'une Rocky Princess. La Rocky Princess, quand elle travaille, elle a besoin de stone à côté d'elle. Donc, du coup, j'ai gardé ce gène pour dire que je travaille qu'à partir de la stone. Et en mélangeant l'impérial puis la Rocky, en clair, je fais en sorte qu'elle travaille qu'avec de la stone. Un gris zombie. Ah, putain. Ça va, c'est pas un Furious. Ah bah, RH kit. Hashtag RH kit. Rage. Crash, aussi. Oui, aussi, ça marche bien. Du coup, là, j'ai pas besoin de ça. Je vais aller chercher mes common, puisque j'ai besoin de common. Je peux avoir des impériales, mais je veux avoir des common. Là, actuellement, je veux des common. Je vais ici, je tape common. Voilà, ça, c'est tous les common que j'ai. Là, je vais en prendre un stack, puisque j'ai énormément de drones de ce gène-là qui travaillent pendant beaucoup de temps, qui ont travaillé pendant tout le début de FTP. Du coup, je vais me mettre dans l'isolateur. L'isolateur, quand vous avez des sérums à côté, vous mettez les commandes. Ça va travailler. Je veux un gène. Alors, attendez. Avant de ça, je vais l'analyser. Travaille lentement, à très peu de vie. Rock a besoin de stone pour pouvoir travailler. Ok. Je veux quand même récupérer le gène de la common, parce qu'il y a un gène de cette common que je veux. C'est que à partir de common, je peux faire des cultivates. Les cultivates, ça va être très intéressant par la suite, parce qu'elles me permettent justement d'avoir des nobles, des majestiques, des diligents. C'est surtout ça qu'il me faut, c'est des diligents. Ça par la suite aussi, des sinisters, que j'en aurais besoin aussi. Vous voyez, à partir de Cultivated Common, on peut faire beaucoup de choses. C'est pour ça que j'en ai besoin. Alors là, il m'a extrait le gène Default Territory. Ça veut dire que, de base, elle aura besoin d'avoir son territoire neutre. Ici, j'ai le Common. Ah, voilà, j'ai son gène principal, c'est la Common. Donc c'est très important d'avoir son gène principal, puisque à partir de drone de base, on peut lui mettre son ADN là qui permet d'avoir le drone. Température non. Donc c'est-à-dire elle ignore la température. Je l'ai déjà le sérum, hein. Je l'ai ici. Non effect, non, fertiliseur, normal, cave, défaut, ou elle est en train de se faire recharger, je ne sais plus. Pas ici. Enfin bref. Ici, il est en train d'extraire Slow Production.
Slow production, je m'en fous parce que j'en ai pas du tout envie d'avoir de la production très lente. Je veux de la production ultra rapide. Donc là, en train de traiter petit à petit. Une fois qu'on a ceci, d'ailleurs, je vais prendre cette capsule. Ça, c'est longue vie. Ok, il faut juste que je le fasse. Voilà. Alors, nous faut la modification. Ça, on va l'utiliser plus tard puisque ça nous sert à insérer l'ADN dans une, par exemple, dans une roquille. Le duplicateur, réplicateur, nous sert à dupliquer une fiole d'ADN. Pour l'avoir x2, à partir d'une pleine et d'une vide, d'une sérum vide, pas celle-là, une vide, on peut l'avoir en double. Ça nous sert, on va faire doublement de production. Synthétiseur, voilà. Là, j'ai mis l'impérial, parce que j'ai besoin d'impérial. Là, pour l'instant, la commande, je vais la laisser. J'en ai pas l'utilité pour l'instant. Ça nous sert, justement, à partir d'ADN, de liquide ADN qui se trouve dans le génopole ici, nous sert principalement à pouvoir recharger chaque capsule d'ADN. L'ADN, là, principalement, c'est de l'impérial. Plus on recharge, vous avez vu, là, plus on va aller en haute charge, plus la qualité va être médiocre. Si vous mettez une qualité de merde dans une abeille de base, soit elle meurt au moment qu'on la fout dans le modificateur d'ADN, soit à la première production, elle va mourir. Donc, ça ne sert à rien. Il nous faut une ADN pure, dure, et qu'elle produise longtemps. Pas forcément longtemps, mais au niveau de sa vie, plutôt de l'expérience de vie, en fait. Elle meurt à chaque boucle, certes, mais si elle garde le même gène à chaque fois de son drone et de sa queen, ça nous permet d'avoir une abeille stable qui va durer. Donc là, il est en train de se charger. Donc il y a 16 caractères. Voilà. Strat ennemi. Ok, on peut l'avoir direct. Ah, j'ai l'énergie qui baisse. Oui, parce que j'ai peut-être ça qui tourne. Good quality. Ah, manque d'énergie. Ça va pas le faire. S'il pompe de l'énergie, ça va vraiment pas le faire. Ah bah oui, ça a besoin d'énergie, ça. Donc je peux l'enlever. Hop, comme ça, touch, ça charge, hop, c'est bon. Ici, j'en ai pas besoin, duplicateur non plus. Duplicateur, je l'utilise très peu d'ailleurs, hein, duplicateur. En train de se vider tranquillement, ouais. Excellente qualité, donc, voilà. Une fois que ça s'est rechargé, là, je le laisse travailler tranquillement. On le fout dans le purificateur. Le purificateur va faire en sorte que la qualité de merde va se transformer en excellente qualité. Donc ça a plusieurs étapes. Hein. Ça en a peut-être une, deux, 15, 20, 25. Ça dépend. Là, principalement, c'est vers la dizaine qu'on a une excellente qualité. Là, j'ai fait de la capsule longue vie. Longue vie, ça va nous permettre justement de travailler longtemps des abeilles avant qu'elles ne meurent. C'est surtout ça qui m'intéresse. Du coup, pour qu'elle ait longue vie, d'ailleurs je vais manger un petit coup, tac 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 tac, voilà. On va le foutre dans le purifieur. Le purifieur va justement purifier l'ADN, ça veut dire la rendre très stable et de très grande qualité. Donc une fois que ceci est fait, en plus elle se recharge en énergie, on va pouvoir la mettre dans des abeilles. Alors pour cela, il me faut des roquilles, une roquille, un drone. De préférence, je vais les analyser. Elles travaillent de nuit déjà de base. C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'elles travaillent de nuit. Et ça, je vais le foutre directement là. Du coup, à partir de la Rocky Princess, qu'elle travaille de nuit et de jour, qu'elle travaille dans des caves qui pleuvent ou pas, elle va travailler. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'elle travaille de nuit, elle travaille comme de jour, elle peut être enterrée dans le sol, mais qu'elle ait au moins une stone à côté d'elle, du coup rock. Dès qu'elle a une pierre à côté d'elle, elle va travailler. C'est pour ça que j'ai mis de la stone à côté de chaque ruche. Faut que ça soit un bloc, hein, un bloc d'écart environ, de diagonale à un bloc aussi. Du coup, à partir de Rocky, je pourrais faire des impériales. Pourquoi ? Parce que j'ai le gène. Alors là, je l'ai pas mis parce qu'il me faut impérial. Longue vie, je vais la garder. Donc ça, c'est un modifieur d'ADN, on va dire secondaire. Ça, c'est les gènes principaux. Ça, c'est les secondaires.
Alors bien sûr, après, il peut y avoir longue vie qui empoisonne pas, comme les tropicals. On peut faire beaucoup de choses. Là, on attend que c'est en train de se recharger. Donc du coup, je vais faire une petite pause. Je vais attendre qu'elle se recharge. Ah, quoique, on est à 14, on peut attendre à 16. Hein. Je sais que vous êtes peut-être impatient, mais on va vous faire voir ce que c'est un petit peu long. Encore là, je fais d'autres choses en même temps. Du coup, on les voit pas. Comment ? L'ADN, on la voit pas y aller tranquillement, ainsi de suite. Je fais beaucoup de d'autres choses, comme ça vous ne soyez pas ennuyés. Oui, vous ennuyez pas durant cette charge. Donc vous voyez, là, on est à qualité moyenne. C'est rare qu'on ait de la qualité moyenne alors qu'on est à la 15e charge. Hein. Je préfère le dire. D'habitude, à la première charge, pouf, elle est morte. Donc c'est plutôt pas mal. Là, je suis en train de la recharger pour la troisième fois parce que j'ai fait déjà beaucoup de drones avant. Du coup, hop, c'est charge, tac, c'est charge. Là, on a une qualité moyenne. On va la foutre dans le purifieur. Le purifieur, vous voyez, comme je l'ai dit avant, elle va purifier la qualité pour la rendre excellente. Vaut mieux la rendre excellente pour que l'abeille dure très longtemps dans sa vie. C'est plutôt très bien. Donc là, hop, en train de purifier. Donc là, c'est la première étape, deuxième, troisième. C'est en fonction de la qualité qu'on a déjà de base. Donc, c'est en train de traiter tranquillement. Voilà, je vais attendre. Ça prend pas non plus énormément de temps. Hein. Alors, ça prend de l'ADN. Parce que ça a besoin d'ADN pour purifier, mais aussi de l'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie. Hein. Je préfère vous le dire, ça prend énormément d'énergie. Alors là, à partir des commons, est-ce que j'ai quelque chose de bien ? Slow common. Voilà. J'ai récupéré le gène en question. J'ai récupéré le gène common. Qui me servira pour plus tard. Ah ben, common. Ah bah je l'ai déjà en fait. D'accord. Bah en fait j'ai rien dit. Slow, je m'en fous. Common. Vous voyez, je peux l'avoir plusieurs fois common. Hein. Slow aussi. Slow production. Je m'en fous. Slow production. Je m'en fous. Rocky. Ah, rock pollinérisation sérum. Rock pollinérisation sérum. C'est-à-dire que à partir de ça, je peux faire travailler mes abeilles proches. Comment proche dans le sens qu'elle travaille dans de la pierre par exemple. Comme je l'ai slow. Voilà, je suis en train de tout remettre. Donc petit à petit, comme j'ai mis la sortie qui va sur la droite, pouf, ça va directement dans l'isolateur. Très simple. Voilà. Une fois purifié, ça fait de l'excellente qualité. Maintenant, on va insérer cet ADN dans une abeille. C'est pour ça qu'on va aller dans l'inoculateur. L'inoculateur, à partir d'une drone et d'une capsule, cette petite capsule va devenir très noire. Il faut deux passages pour chaque abeille pour qu'elle obtienne sa qualité pure et dure. Donc ça prend énormément de temps, c'est la machine la plus longue du mode qui nous permet... Voilà, c'est chaque petit pixel tous les secondes environ. Vous voyez, ça peut prendre du temps. Voilà, c'est pour ça qu'on va faire autre chose en même temps que les commons, ce genre de choses. Tank full. Oh, bah c'est bien. C'est-à-dire que j'ai déjà des tanks full. Alors, pour éviter ce genre de problème, tac, je vais aspirer tout dans le tank là-haut. Là, comme ça, ça va travailler tranquillement. Ici, ça va aller. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui se trouve ici ? Non, ici non plus. C'est très bien. Vous voyez, là, elle est en train de faire. C'est la première étape. Hein. Pour l'instant, c'est la première étape parce qu'elle n'a pas touché à la charge. En clair, à partir d'une Rocky, je vais pouvoir faire une Imperial Princess qu'elle obtient l'ADN déjà de base de la Rocky, qu'elle travaille de nuit comme de jour et qu'elle travaille proche de la roche. Proche, roche, roche, proche. Voilà. Merde. Hein. Du coup, celle-là, j'en ai pas besoin en fait. Je pourrais la foutre carrément dans le gène. Dans Génopole, parce que c'est l'impérial de base. Et moi, je veux pas l'impérial de base, je veux l'impérial déjà avancé. Qui ne meurt pas en plus. Celle-là, elle peut mourir. Du coup, après, je peux obtenir à partir de laine, de tropical, de water, de valiant, de mildew, de. En fait, je peux obtenir l'ADN de tout. C'est ça qui est super pratique, c'est à partir de tout, on peut obtenir tout. Normal, logique en même temps, il faut dire ce qui est. Ça fait déjà 20 minutes qu'on tourne. Waouh,
Putain, ça va vite, hein, finalement. Hop, j'arrête ça. Comme ça, j'ai toujours de l'ADN derrière pour eux. Du coup, ici, elle est à sa deuxième. On a utilisé une charge pour déjà la moitié de cette abeille. Elle a obtenu le gène déjà impérial. Impérial Rocky hybride. C'est déjà très bien. Et à partir de la deuxième charge, elle va se transformer en Rocky en impérial. Voilà. Alors, est-ce que j'ai besoin d'une autre race? Sachant que j'en ai déjà pas mal. Rock, ouais, ça je vais les foutre plus tard. Il me faudra des commandes, donc à partir de Rocky, je pourrai faire des commandes, donc elle travaille de nuit et ainsi de suite. C'est plutôt pas mal. J'adore mon tank qui se remplit petit à petit. Je pense pouvoir le remplir facilement. Hein. Ça, je vais le changer. Des forests, ouais, j'ai encore pas mal de forests. C'est déjà désanalysé, c'est pour ça qu'il ne stack pas. Pouf, il stack. Hop. Ici, je vais faire pareil. Donc, en même temps, je récupère les princesses, voilà. Hop. Du coup, ça, je vais récupérer parce que j'en aurai besoin pour à côté. Et puis, j'ai encore tout le réseau à Plaidou qui a des abeilles dedans. Des ébonies, d'accord. Je savais pas que j'avais des ébonies dedans. Voilà, là j'en ai très peu. Donc du coup, il va falloir que j'extrais l'ADN, d'avoir l'ADN pur et dur de cette abeille-là dès le début. Ça se peut qu'on n'obtienne pas le gène de cette race directement. Hein. Ça peut prendre beaucoup de temps, voire une trentaine de drones. Donc ça peut être très 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 long. C'est le temps que ça se fasse de l'autre côté. Je vais justement récupérer ça. Hop, ceci aussi. Du coup, je vais analyser ça. Voilà. Hop, celle-là, je la garde. J'obtiens. Je casse ça. J'ai encore une common et une princess. C'est très bien. Hein, comme ça, j'aurai beaucoup de princesses directement. C'est plutôt pas mal. Hop, j'en obtiens encore un. Voilà. Ah, il y a beaucoup de zombies. Je crois qu'il y a des zombies en bas parce que c'était des galeries. Comme j'ai des villageois tout près, bah ils s'avancent tous en fait. C'est plutôt pas mal. Tiens, je vais voir s'il n'y a pas d'autres zombies. Ça va les PNJ? Alors, tous ces PNJ là, c'est pour faire des combats. Hein. C'est pour avoir l'armure qui protège des effets indésirables des tropicals par exemple ou de l'end. Mais je le ferai ça sur la power armure plus tard. Je crois que j'ai des bonnes abeilles ici. Ouais, je crois que j'avais déjà des. Ah, des cultivates. J'avais pas de cultivate d'ailleurs. On va pouvoir s'amuser avec du cultivé. Et ça, c'est de la merde liquide, hein, de vache. Alors, du coup, je vais pouvoir extraire l'ADN des cultivates. Ça va être intéressant. À partir de cultivates, on peut faire toutes les abeilles. C'est pour ça que je le veux. Alors, ouais. 14. Peut-être que c'est la dernière, d'ailleurs. Peut-être pas, en fait. Non, encore une. Ouais. À partir d'une Rocky Princess, j'ai obtenu une impériale. Une impériale princess. Qui a tous les gènes de la Rocky de base. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir toutes ces machines. C'est à partir des abeilles de base. On peut faire les abeilles les plus rares. Par exemple, l'iridium. Une abeille iridium. Iridium. C'est pour éviter d'appuyer sur le R. Cet iridium là, on peut l'obtenir. Je ne sais pas si on peut l'obtenir à partir du combat iridium. Ah. Est-ce qu'on peut l'obtenir? Je sais qu'il y a une combe iridium. Combe. Barrel, rotten. Oh, on peut. Wall. On peut obtenir des abeilles de pétrole. Pétroleum, genre, je peux obtenir du pétrole. Ah d'accord, c'est juste ça, ok. Du lait, du... Oui. Iron combe, à partir du rustine en fait. C'est 5%, mais on peut les rendre plus grandes. Hein. Vous voyez, c'est 4 petites poudres, mais ça fait toujours du fer, hein. Du fer en plus. Glitterine. Glitterine, ça dit... Ouais... Ah, c'est très sympa pour les magiciens, tiens. Essence, potent, électrique combe. Redstone.
Ouais, c'est ça, de la redstone liquide. Carbone, luxe, under. Under liquide, carrément. Ouais, c'est sympa. C'est quoi? Oh, on peut la faire de... Ouh. Magique. Magic Bees, ok. Il y a des trucs que je connais pas encore, hein, donc... Du molten, ce genre de choses, en fait. On peut tout avoir avec les abeilles. Certus, on peut faire des Certus. Ah oui, c'était celle-là que je voulais. La Quantum Queen. Donc, vous voyez, c'est à partir de plusieurs abeilles, donc c'est très très long. Mais une fois que vous les avez, surtout un monastique, je ne sais pas où est-ce qu'on la trouve. Bon, enfin bref. Du coup, je ferai ça plus tard. Je vais manger une petite pomme. Ah là. Ici, j'ai retrouvé une autre impériale. Donc, j'ai les gènes. Et ça utilise une charge à chaque fois. Attendez que cette charge soit à zéro pour pouvoir la recharger dans la synthétiseur et de la purifier. Pour avoir vraiment le gène entier. Des commons. J'ai à cultiver. Maintenant, j'ai tous les gènes. Puf. Je vais le refoutre là-dedans. Tank full. Ah la vache. Bah du coup... aspire tout là-haut. Hein. Je vais remplir le truc. Du coup... Bah je vais la recharger. Je vais recharger la capsule pour pouvoir la purifier et en avoir une officiellement. Normal, je m'en fous. Normal effect, je m'en fous aussi. Ok, je peux pas la... Du coup, ça fait ça, ça et ça. Slow, no effect, no effect, no effect. Pouf, pouf, pouf. Et encore un zombie là-haut. Tac. Tac et tac. Voilà, comme ça tout se fait automatiquement. Du coup, on va planter nos abeilles impériales et on va voir qu'elles vont produire ce qu'on veut. Là. Très intéressant. Peut-être que je récupère une pomme au passage. Hein. Il n'y a pas de raison. Alors, est-ce qu'il est ici le... Hop. Alors, bien sûr, il y aura des portes automatiques hein, ici. Voilà. Alors, elle a déjà produit. Celle-ci aussi, elle produit bien. Elle produit bien. Vous voyez, en fait, on peut s'amuser à avoir de belles abeilles. Hop. L'impérial et ceci. Pouf, elles vont se transformer. Vont dire qu'il n'y a plus de drone qu'elle va produire, et comme c'est une température normale, du coup, elles produisent en masse. Hop là, hop, et hop. Elles vont faire pareil, elles aussi. Je vais mettre le système automatique, comme ça, plus besoin, justement, de le... Comment ? Hop. Comment vous dire ? Plus besoin de le faire à la main, tout se fera automatiquement. Et je vais devoir refaire des gates. Et des iron. Ça bouffe énormément d'iron, mais c'est quand même très pratique. C'est surtout l'automatisation en fait qui m'intéresse. Hop, on met deux undersheets. Et on dit que quand il y a un objet, hop, ça pulse. Et il n'y a pas besoin de signal de redstone pour que l'énergie soit directement. Bah que dès qu'il y a par exemple une royale ou une combe. Ça part directement, hop là, et ça va dans le coffre. Vous voyez, j'ai déjà environ deux stacks de royales. Et je les ai mis que hier, et c'est pour dire qu'elles ne sont pas mortes, puisqu'il y en a toujours. C'est pour ça que l'ADN, c'est très, très, très important. Oh, enfin, j'ai réussi à tourner un épisode. Enfin, depuis deux jours. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir vous faire tourner un épisode tranquille. Du coup, de mon côté, moi, je vais couper ici avec vous. Ça va faire déjà un bon épisode d'une demi-heure. L'ADN. Voilà, l'épisode ADN. Ah, ça fait du bien. Du coup, moi, de mon côté, je vais continuer toute la rangée d'impérial. Ici, je vais faire la rangée de Cultivate, par exemple. La rangée d'une autre espèce, et ainsi de suite. Voilà. Bon, allez, sur ce, merci d'avoir regardé, merci d'avoir aimé, de partager avec vous l'ADN, enfin l'ADN, voilà. Puis moi, je vais démolir tout ça, je vais me faire une petite piscine, je vais construire correctement. Je vais demander au Relien de faire un bâtiment industriel, mais côté joli, pour ceci, voilà. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé, et puis je vous dis à une prochaine vidéo, sans doute un peu plus sur l'ADN, plus compliqué.
Mais on va bien s'amuser. Voilà. Allez, sur ce, bye bye tout le monde.